Everybody shut up. I said shut up. Now, are you ready to play the game? No. Are you ready to play the game? Yeah. The game. Yeah. Gordon Cyrus, c'est son nom. Et ce nom semble sortir d'un film d'anticipation, comme le nom d'un commandant de vaisseau spatial ou d'un vengeur masqué qui errait dans la galaxie pour sauver les situations les plus perdues. Il est architecte, producteur, ingénieur du son, éditeur phonographique, designer, réalisateur de disques et de vidéos, créateur et directeur de labels, musicien et que sais-je d'autre encore. En clair, mille vies en une seule. Avec Gordon, rien de conventionnel ne se dit ni ne se passe. Et pourtant, tout semble très normal pour lui. Cet être traverse la vie depuis son enfance avec appétit et curiosité, et ça lui donne une longueur d'avance sur tout le monde. Pourtant, il ne s'en rend pas vraiment compte, il préfère faire, imaginer puis construire, pour passer à autre chose tout de suite après. J'ai grand plaisir à vous faire découvrir cet individu unique, ne serait-ce que par ses origines qui sont afro-américaines, cherokee et suédois. Pas banal pour commencer. C'est bien ça, Gordon. Ouais, ma mère, elle est suédoise. Okay. C'est encore viking. Ce viking afro, américain cherokee. Et ton père, il est arrivé à quel moment Il est arrivé 56 en Suède. Tu vois, sur mon père, le nez, il n'a pas né africain, il a né indien cherokee. Là où ça commence, c'est le groupe Whale. Après, il y a les Latin Kings que tu as signé sur ton label, si je ne me trompe pas. Latin Kings, c'était avant Whale. Borta upp emot de viking dag som helst. Livet bara fortsatte, det gick som på räls. Satte på mig Raiders caps och tagga ut. Varm skön sommardag, pluggen var slut. Tu travailles avec eux ou tu les as produits sur ton Moi, en fait, ils sont... J'étais juré dans une compète du rap en Suède. Ouais. Dans Soundcheck, ils ont eu faire leur bande de son sur une cassette. C'est-à-dire, ils ont fait un loop. Ils ont arrêté, enregistré, arrêté, enregistré, arrêté la cassette audio. Et voilà, les choses pas normales commencent déjà. Alors, faire des loops, des boucles en langue de Molière, c'est facile avec un ordinateur. On boucle la séquence musicale sur elle-même et ça fait une loop, une boucle. Ça demandait déjà un peu plus de temps avec les sampleurs échantillonneurs. Et encore avant, sur de la bande analogique, en studio, ça prenait carrément des heures. La bande analogique, c'est comme nos vieilles cassettes, mais beaucoup plus grosse pour mettre beaucoup plus de pistes, 24 en standard. Alors que nos cassettes stéréo, ben c'était que deux pistes. Parce que une, ça aurait été en mono. Donc avec la bande, il fallait prendre le passage qui nous plaisait, le copier sur une autre bande, faire ça plusieurs fois à la lame de rasoir, monsieur dame, pour avoir à la fin la répétition de ce passage en quantité suffisante pour que la bande soit assez longue, pour passer d'une bobine à l'autre, indéfiniment. De la haute couture, quoi. Alors faire ça avec des cassettes, ça me laisse encore rêveur sur le degré de motivation qu'on a quand on est jeune et qu'on veut faire de la musique. Ah, c'est beau la jeunesse. Après, juste après, on a commencé à... j'ai demandé s'ils voulaient pas faire un album, quoi. On a fait déjà une single, la première single. Et après, j'ai réussi à signer sur Warner en Suède. Mais il reste toujours sur mon édition. J'ai une petite édition avec, qui était administrée par EMI à l'époque. Mais t'avais quel âge? 26, 27. Donc t'avais ta boîte d'édition déjà? Ah, j'ai eu ma boîte à 17 ans. Hein. Ah ouais? On va en parler plus tard de tout ça. Et l'autre groupe, Whale, tu jouais de la basse dedans, c'est ça? En fait, la groupe Whale, c'était un pote à moi, Henry, qui à l'époque, il faisait les pubs. Moi, je faisais un peu de musique pour ses pubs. C'était un réalisateur de pubs. Et sa copine, qui était une ancienne chanteuse de punk suédoise, dans un groupe assez connu, Ubangi. Et comme il adorait venir au studio chez moi pour faire la musique pour le pub, il a demandé s'il ne pouvait pas jouer guitare dans mon studio un jour parce qu'il connaissait toutes les riffs de AC/DC par cœur. J'ai dit, mais bien sûr, viens, on fait une chanson.
Et j'ai fait un beat, il a mis 2-3 riffs guitare, j'ai mis une basse, on a mis une petite parole, un refrain, et sa copine Kia, elle est venue, on a créé une petite parole pour le truc. Et le studio en face, c'était mon pote Christian Fall. Et il a fait une prise de batterie avec une micro. Et 4 heures plus tard, la chanson, elle était finie, quoi. C'était juste une blague. Et ce groupe-là, il a bien marché en Suède, c'est ça? En fait, il a marché mieux en États-Unis qu'en Suède. On était numéro 1 sur 50 stations radio de collège et université, ouais. Et tout ça. Et on était même sur Beavis and Butthead à l'époque, sur MTV. Après, on a signé avec Virgin qui a mis pas mal d'argent et on a commencé à faire un album. Et cet album, on a enregistré en Espagne avec notre manager. Et à l'époque, c'était la Marie de Nene Cherry. Et on était chez eux en Espagne. On a enregistré l'album dans un garage, dans un orangier, en nord de Malaga, dans l'Andalousie. Et aussi, on a eu Tricky de Massive Attack qui était là. Il est venu parce qu'il connaissait Nene et Cameron. Et il a posé sur, je sais pas, on a fait 4 ou 5 chansons avec lui parce qu'il était là en train de travailler avec son projet à lui. Et voilà, on est resté 4 mois. Mais comment tu t'es retrouvé à avoir un studio? Ah, donc tu l'avais vers 17-18 ans, ce que tu dis quand t'as rencontré... Non, j'ai prêté l'argent à l'époque, c'était une somme énorme, 10 000 euros, j'ai acheté des matos. À quel âge t'as fait ça? 17-18 ans, j'ai commencé à programmer, à prendre tout ce qui est synthé, les ordinateurs, et tout de suite j'ai eu un boulot chez Atari, où je faisais la démonstration sur leur première machine qui était avec MIDI dedans. Mais mon studio pour les petites machines, c'était un petit truc à peut-être 20 mètres carrés, même pas, ouais, 20 mètres carrés avec une petite cabine. C'était en fait un ancien cinéma et moi j'étais sur une des balcons dans le côté. Et mon pote Christian Fall qui a fait la chanson 7 Seconds avec Justin Dour et Nene Cherry. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay. Il était dans la studio juste en face et on a partagé la cabine ensemble pendant des années, 5 ans, 6 ans, je sais plus. T'as parlé de Nene Cherry. J'ai vu que tu avais été l'ingénieur vocal sur l'album Man. Oui. Donc t'as enregistré toutes ses voix avec elle? Non, j'ai enregistré une chanson, j'ai fait même un petit version qui personne n'a écouté avec des jolies cordes live et tout. De Woman? Non, Golden Ring. J'ai enregistré dans le jardin sous un orangier, je l'ai enregistré extérieur, dehors, avec le chien qui aboie. I'm gonna buy you. Et tu parlais de ton ami justement, Christian Fall, c'est ça qui a fait. J'allais te demander qui a composé, si c'était toi qui avais enregistré 7 Seconds. Non, c'est lui qui a fait la prod. Enregistré, je pense qu'ils sont déjà enregistrés quelque part avec quelqu'un, je ne me souviens plus. Parce que la prod n'était pas bien. La chanson, elle était. Et mon pote Christian, il a refait la chanson. Il ne l'a pas composée. Il n'a pas composée. Il a fait la réalisation. Il fait la réalisation et c'est mon maître à cette studio, René Larté, qui a mixé, qui n'est pas crédité non plus. Et voilà quoi, c'est une période intéressante dans la musique suédoise qui se passait surtout dans cette studio. T'as monté ton label à quelle époque? C'était autour de là, 80... D'abord on a une petite collective qui s'appelle Time Bomb au début.
Et après ça, ça a développé vers mon label Breaking Bread. Ouais, c'était le producteur. Après, un jeune Wayne Beckford, il est venu. Et juste après, t'as signé, si je me trompe pas, Stone Funkers. En fait, Stone Funkers, c'était déjà un groupe qui existait. Alors, pour les gens qui écoutent, Stone Funkers, c'est peut-être mon album de funk préféré des années 90. Ah oui. Un groupe de funk, P-funk, G-funk, un groupe de gogo, ça fait assez gogo. Oh, ouais. Alors, chers amis, la gogo, c'est ça. Et ça aussi. La gogo, c'est un style de funk dont les héros sont par exemple Chuck Brown ou Trouble Funk. C'est une musique quasiment inconnue dans le monde entier, sauf pour les connoisseurs du funk et dans sa ville natale qu'est Washington DC, où là-bas c'est la musique la plus populaire devant toutes les autres depuis la fin des années 70. Ils ont des soirées et concerts énormes tous les week-ends et toute la communauté black se retrouve pour danser sur cette musique. Le beat est inspiré de claves africaines que la grosse caisse joue en général. Et chaque mesure donne envie que le beat recommence encore, et nous allons découvrir ensemble un morceau de Stone Funkers. C'est un bon album, France. Très bon album. Avec Joe Watts, qui est un chanteur et musicien extraordinaire de Jacksonville, Floride, qui habitait en Suède pendant des années. Qui chante, qui joue la piano, les contrebasses, le truc, il est extraordinaire. Il est aussi sur l'album avec eux. Ah, ok, parce qu'il y a deux voix, il y a deux frères dans le groupe, mais les deux chantent. Il a deux frères, il y a un qui chante, l'autre il joue les guitares et okay. La prod. Et ils avaient pris cet américain là en plus qui. Ouais, il était là, qui jouait les claviers, il chantait tout le chœur et les backgrounds. Parce qu'on entend un peu deux voix sur l'album, non? On entend trois voix même. Lead, c'est Elial, qui un peu fait la rap et chante. Et après, M-Rock. Qui fait aussi la voix principale et des chœurs aussi. Et Joe aussi. C'est là que tu t'es connecté un petit peu avec la France, que c'est à ce moment-là que tu as fait le Jean-Louis Aubert à Stockholm? En fait, la première fois, je suis vraiment connecté à la France. J'étais une fois à Paris quand j'avais 15 ans. 89, la 14 juillet, la bicentenaire, de la Révolution française. On avait Quincy Jones à Bastille. 101 personnes dans son orchestre et on a mangé la museau de cheval. Le museau de cheval? Ouais. On a mangé, on a bu, on a eu trois plats et des vins pour 100 francs à Bastille. Et là, sur cette petite dîner, j'ai rencontré mon pote Alexandre Pivoussant, qui était agent de photographe. Comme il passait son temps à aller visiter des agences de publicitaires, et j'ai dit, mais l'amène mon bande son, parce que pour faire toute cette musique, rap, hip-hop, raga, R&B en Suède,
suis financier tout ça avec de la musique pour les pubs. Moi, je faisais de la musique pour gagner ma vie. Je ne gagnais pas ma vie avec la musique de ton label. Avec mon label, jamais. C'était une crash hip-hop plus qu'autre chose. Et Alexandre, il a commencé à l'amener mes pubs à des agences ici en France. Et aussi des maisons disques pour essayer à trouver des collaborations avec des artistes français. Donc rapidement, au début des années 90, tu faisais des pubs à distance, des musiques de pub des allers-retours à Paris pendant toute l'année, toute l'époque de 90. Il y a deux albums où tu as mixé un peu. Alors, c'est un peu spécial, mais au niveau de la prod, il y avait un gros son qui, à l'époque, les Français essayaient d'avoir et n'avaient pas. Je pense au. Il y a un album d'Ophélie Winter sur lequel tu as bossé et un truc de Willy Denzi sur lequel tu as bossé où c'est des prods d'un Suédois. Ouais, c'est vrai. Où il y a un très gros son, c'est-à-dire que c'est très très réussi. Ouais, non, mais il n'était pas très suédois. Il est arrivé en Suède quand il avait 17 ans, c'était Wayne Beckford. Mais à l'époque de Ophélie Winter et Willy Denzi, je l'ai amené. Mais avant ça, il faut dire qu'on a amené des gens comme Ragasonic dans mon studio en Suède. Sai Sai, on a fait du Gavager. Bass, t'as fait. Alliance Ethnique. Et Bass, je faisais quand je suis venu ici. Mais on a fait Jean-Louis Hubert, on a fait dans mon studio à Stockholm. Et par mon pote Thierry Planel qui travaille chez Virgin, on a fait Chef Mami, il est venu à Stockholm. Très bizarre, ce monsieur. J'ai jamais vu quelqu'un aussi peur de femmes dans ma vie. Chaque fois, il a vu une femme suédoise, il était raide comme ça. Il regardait comme une sorte de psychopathe, tu vois. Ah, il était bizarre. Et en plus, il a amené une violoniste extraordinaire. Cette super mimi garçon qui jouait la violon ici, tu vois, pas sous le cou, il a joué et il a eu le son, bien sûr, arabe, quoi, tu vois, moi j'ai jamais entendu en vrai. J'ai enregistré des choses avec lui, sauf Chamami, il a dit non, il aimait pas lui du tout, tu vois, et moi j'ai dit, mais ce gars, il est extraordinaire, il est génial, tu vois. Et il a un truc bizarre entre eux. Je sais pas déjà pourquoi il a l'amené, parce que il a peut-être vu que j'aimais mieux cette violoniste que Chamami, qui était très étrange comme garçon. Je me souviens qu'il a nous donné quelques maquettes avec des a cappella qui on a trouvé extraordinaire, mais comme chanteur, et s'il a vraiment un don, et il est vraiment. Il ne sait pas chanter une fausse note, cette garçon. Sauf nous, on a fait toute la prod après cette a cappella qu'il a nous donné. On a fait un sort de reggae un peu sur l'album de Melly Melly, je crois qu'il s'appelle. Et le jour on a amené la prod, le mec il dit non, mais ça c'est juste yaourt. Ok. Le yaourt, c'est un terme qu'on emploie lorsqu'on compose et que l'on cherche une mélodie. On va chanter en yaourt, c'est-à-dire dire des syllabes. En général, quand on est français, ça peut donner en anglais Run, Stan, Fred, Ken, Red, Snake, des choses comme ça. Et ça date même des années 60, quand les chanteurs de yéyé et de rock'n'roll français ne savaient pas parler anglais, faisaient I want to get a stand, run, fur, to get a run, nanana. Il y a de magnifiques vidéos de Tiki Olgado avec son groupe à l'époque, à 16 ans, qui chante comme ça, au Golf Draw. On appelait ça aussi du lavabo, qui là est exclusivement le fait de chanter en anglais alors qu'on ne sait pas parler l'anglais. Et donc, on fait ce qu'on peut. Il y a aussi cette fameuse chanson de Jacques Dutronc, Merde in France, Cacaboum. Hey, la fauchonne conne du moulout,
lavabo, trottoir, moulout, merde in France. Et oui, à la fashion conne du, ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'anglais non plus. Et quand on compose, on cherche une mélodie et ça aide de dire des mots. Mais le yaourt, c'est ça. Y a pas de mais. Yaourt arabe, comme nous on sait, on parle pas arabe. Et ok, mais faut juste que tu réchantes le truc alors. Sauf il a pas chanté une note pareille. Pas une note pareille. Et maintenant on veut cette mélodie là. La ta-na-na. C'était ta-na-na. Ah ben chaque fois, ils ont dit non, dun-dun-dun, tu vois, dun-dun-dun. Il pouvait pas répéter un truc, il a chanté. Et chaque prise il a pris, c'était différent, complètement différent. C'était une sorte de feeling comme ça, une sorte d'improvisation, qu'il pense, je sais pas. C'était très bizarre, on était dans le studio. Ouais, mais non, mais là, on a fait l'arrangement comme ça, tu vois, tout est fait. Tu peux juste chanter comme tu as chanté sur la maquette, tu vois. Oui, oui. Et après, il a chanté complètement différent, quoi. C'était incroyable. Mais quand même, c'était fantastique à le voir chanter parce que franchement, le garçon, quand il chantait, c'était waouh, c'était vraiment... Mais chaque prise, c'était parfait. Mais sauf ça collait pas avec d'autres prods. Après, on a fait je sais pas quoi, mais on pouvait même pas monter couper parce qu'on savait pas qu'est-ce qu'on coupait en fait. Pour en revenir à Jean-Louis Aubert. Ah oui, tonton. Comment c'était de bosser avec lui humainement, justement, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, mais tonton, quoi. C'était une crème, mais il était trop chaud. Il a gâté. Mais il a gâté tout le monde parce qu'il est venu à Stockholm dans le studio. Il était vraiment un kiffeur de vie, kiffeur de bouffe, des bonnes choses. Très généreux, très. Ouais, tonton, vraiment, comme il était un peu plus âgé que moi aussi, il m'a vraiment pris sous le bras, quoi, tu vois, il m'a gâté, on a parlé des heures de je sais pas quoi, on a eu un super moment ensemble, et même après, j'ai rencontré un peu, maintenant on a perdu contact, mais quelquefois, il m'a invité même à aller travailler là-bas chez lui, mais tonton Jean-Louis Weber, j'ai que de bons souvenirs. Vraiment un garçon, un tonton très chouette. Dis-moi pour qui tu te prends. J'en ai marre de faire semblant. Le sourire devant les gens, d'ignorer ce que j'entends. On parlait d'Ophélie Winter, ouais. Beaucoup de sons d'Ophélie Winter et les danser, même si c'était mes mix, c'était vraiment la prod de Wade qui est tellement facile à mixer parce que ça sonne déjà bien. Prendre de bons sons, tout sonne déjà. Faut juste que dans son sens, que tout est fort. Quoi. Les voix comme les batteries, tout, faut que ça sonne fort. Tu veux dire, ça sonne fort ou il faut, quand on met fort, il veut que ça sonne vraiment bien? Non, mais il faut mettre tout fort dans le mix. Ah, ok. Ok. Mais à l'époque, c'était avec Luca Minciello, qui malheureusement, il est décédé, c'est parti. Donc là, il a un monde d'esprit, il est avec nous, il est là, dans la chambre, ici, tout c'est avec moi, maintenant, je le sens. Salut Luca, tu vas bien? Super marrant, et on a kiffé. C'est un album difficile à travailler avec Ophélie Winter parce qu'à un moment, c'est une fille super intelligente d'ailleurs, mais super sympa, sauf des fois, elle est juste dans les mauvaises compagnies.
il est très mal conseillé. Mais on a fait un album avec Luca Minchillo qui était la DA. Et on a, et lui, il était super marrant, super rigolo. On a eu des super séances. Et c'est un album où elle a déjà fait un album qui était pas bien du tout. Et celui-là était bien, mais a pas marché, non? Il a pas marché du tout. C'était parce qu'elle a choisi la mauvaise packaging, mauvaise, comme c'était très pop, très R&B pop. Elle a eu des super mal conseils en termes de... Par contre, c'est un pote à moi, Seb Jonia, qui a fait le photo. Mm. Mais il a fait tellement de super photos qu'elle n'a jamais utilisées. Je me souviens d'une photo où il était dans une batterie de la grosse pied. Tu vois, il était dedans. Dans la grosse caisse. Dans la grosse caisse, quoi. Et la photo, elle était ouf, quoi. Elle était super, super funky, quoi. Elle a pris un truc plastique, n'importe quoi, super retouché, super plastique. Je pense que c'est l'image, et un peu elle aussi, elle était dans une période fou folle, je pense. Mmh. Elle était difficile à suivre, la fille. Mais par contre, c'est vraiment dommage, parce que les moments que j'ai eu toute seule avec elle, juste en train de discuter dans le studio, parler de n'importe quoi, elle était super cool, quoi, super mimi, comme intelligent. Et c'était bizarre à la voir un peu comme ça, médiatique, un peu bizarre, plastique, quand elle était vraiment vraie, en vrai, quoi, tu vois, et pas bête du tout. C'est dommage, vraiment dommage pour cet album, mais j'ai déjà pas parlé avec elle depuis. J'espère qu'elle entend ça, elle m'appelle. Un album, la prod extraordinaire, et on a fait des prises et des prises. Il a chanté des fois, on a pris entre 6 et 900 prises par la chanson, parce qu'elle elle-même, elle sentait que faut bosser, tu vois, bosser. Mais moi, je dis, écoute, la première prise que tu as fait, elle était bonne, tu vois. Non, elle voulait bosser. C'est des fois, en effet. J'ai regardé le nombre de prises, mais Ophélie, on est à 700 prises là, sur cette chanson. Tu veux pas... Elle voulait refaire cette mot, machin, de ça. Non, encore. Et à la fin, on a utilisé les 2-3 premières prises après 700 prises, toi. Mais c'est aussi, je crois, une histoire de mauvaise confiance en elle. Parce qu'elle chante, elle sait chanter. Elle c'est une bosseuse de ouf. Quand elle bosse. Mais des fois, elle n'avait pas la distance pour la recul, quoi, pour vraiment... Elle est déjà encadrée, ben super prod. Elle était dans un environnement très très sûr, sauf elle n'était pas très sûre. C'est pour ça que ça a pris trop de temps aussi. Le studio, il était très heureux qu'ils aient pris tout ce temps. Nous aussi, parce qu'on était payé. Moi, j'étais payé ingénieur, payé la journée. Et Luca, il était super heureux parce qu'il kiffait de venir. Parce que tous les autres trucs qu'il faisait, c'était boring un peu. Toi. Et quand il arrivait au studio avec moi et Wayne, ou même après le studio, il nous traitait de super restos. On a parlé, on a kiffé, on a rigolé. Il était tellement drôle, cette garçon. C'était tellement dommage, il n'est plus là. C'est vraiment... il me manque. Alléluia. 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 Choses, il n'y a pas, par exemple, pas d'interview sur internet quand on cherche de toi, et je me demandais si c'était fait exprès.
franchement, j'ai rien à foutre de mon nom sur des trucs. J'ai oublié des trucs que j'ai fait, les secondes, j'ai fini. Je cherche pas la notoriété du tout, j'ai rien à foutre si les gens ils savent que c'est moi ou pas. Indien, ou plutôt natif américain de Cherokee, car après 10 ans, ils auraient pu se rendre compte qu'ils avaient fait une erreur et la rectifier, mais alors après 400 ans. Mais cela étant dit, ce n'est pas une légende, c'est comme dans les films, les westerns, les Amérindiens ou natifs américains n'aiment pas être pris en photo, ils pensent que ça leur prend leur âme, et Gordon est comme ça. À la fin de notre interview que j'avais filmé, il m'a avoué qu'il aimait pas du tout être filmé ou pris en photo. Et donc ça explique sûrement le fait qu'il se soit petit à petit tourné et tourné le dos à la caméra. Et ça explique aussi peut-être le fait qu'il n'y a quasiment pas, voire pas, d'interview de lui sur internet. Et en parlant de ce genre de choses-là à Cherokee, puisque tu as travaillé avec Eric Bibb, et comme on parle de Cherokee, il faut que les gens sachent que Hendrix était métis Cherokee. Oui. Donc pour les musiciens, être Cherokee, c'est spécial. Je sais pas, en tout cas, c'est une des seules tribus du native américain qui s'est un peu approché à l'art occidental à l'époque. Et ils ont développé même, je crois que c'est la seule qui a développé un alphabet. Il y a même un clavier Cherokee sur l'iPad. Ouais, c'était la tribu plus accueillante. Les autres, ils sont fait buter aussi. Dans exterminer, on dit que c'est les 60 millions et un Indien qui s'est fait exterminer. Il ne restait que 800 000, je crois, quand ils ont fini, les présidents des États-Unis. Qui est imprimé sur les billets. One by one, I wrote down the names of the friends in my life who belong to the same tribe. Pour parler de blues, c'était comment l'expérience avec lui? Eric Bibb, je connais de Suède parce qu'il habitait en Suède pendant 20 ans. Et il est venu à Paris et il a enregistré quelques chansons avec moi. Comme ça, à l'époque, j'étais un bébé, quoi. Tu vois, lui, il est au moins 15 ans plus âgé que moi. Ça se voit pas parce qu'il a une tête de bébé, mais le monsieur, je pense, il est 60 balais, un truc comme ça. Il a un orgueil de 38 ans, un truc comme ça. Il a arrêté d'entendre. Humainement, c'est un grand monsieur, quoi. C'est un grand jazzman avec un peu les mêmes mes racines comme moi, surtout de mon côté père, mon père. Et ses références et les références de mon père et en leur musique. Et c'était juste un bonheur, un privilège à enregistrer des choses avec lui. C'est vraiment extraordinaire. J'ai mis un truc, je crois, une chose sur mon SoundCloud de lui. Qui n'était pas sur l'album? Qui n'est pas sur l'album. Et j'ai fait combien de chansons avec lui? J'ai fait deux qui sont dans un album. J'ai produit un. Bon, j'ai mis deux micros sur sa voix. J'ai mis une SM57 et mon Sony, la C800. Et il a fait deux prises, quoi. C'était fini, la chanson. On vous quitte, Gordon et moi, sur cette version inédite d'Eric Bibb, une mise à plat, les tranches simplement ouvertes, ce qu'a posé l'artiste sur la bande. Et dans ce cas précis, Gordon nous disait deux micros, un sur la voix, un sur la guitare, deux prises, et c'était dans la boîte. Let's kiff. Knowing you
makes my world a softer, sunnier place. Knowing you is often the reason for the smile on my face. Knowing you is one of life's blessings. I'll be counting all of my days. Knowing you makes me happy in so many ways. Knowing you takes me higher, keeps my feet on solid ground. Knowing you, I hear music, such a soulful sound. I know you, and it brings me sunshine on cloudy days. Knowing you makes me happy in so many ways. Knowing you, knowing you. Knowing you can turn a frown upside down on my face. Knowing you love's eternal, no fear can replace. Knowing you is one of life's blessings. I'll be counting all of my days. Knowing you makes me happy in so many ways.